j'honore. Nous avons suivi le processus électoral à Cotonou, moi personnellement, et sur le tour que nous avons fait, nous avons constaté que professionnellement, techniquement, les élections se sont bien passées. Le matériel était à tous les bureaux de vote et les agents électoraux ont montré leurs compétences. Donc, globalement, nous avons trouvé que c'était bien organisé. Nous attendons le rapport de nos observateurs qui sont à l'intérieur du pays et après nous allons faire nos conclusions pour faire des recommandations au peuple béninois pour l'amélioration du processus électoral. Mais pour le moment, ce que nous avons vu est déjà bon et la CEDEAO, dans son processus d'assistance aux processus électoraux dans les États, et nous allons faire des recommandations avant de partir. C'est la continuation de l'engagement que nous avons et sur le terrain et nous sommes venus lui rendre compte de ce que nous avons constaté sur le terrain aujourd'hui dans la continuité, les institutions que nous avons eu à rencontrer parce que nous avons eu à déployer une mission à long terme qui était là avant nous et nous sommes arrivés, nous avons rencontré aussi les institutions impliquées dans le processus et nous avons discuté avec ces institutions et c'est ça que nous sommes venus lui rapporter. Lui aussi, il nous a présenté les réformes qu'il est en train d'engager dans le pays, il nous a parlé des réformes, des difficultés pour obtenir ces réformes, il y a espoir et nous les avons encouragés dans ce sens.